Le petit Émile S. est toujours porté disparu, 5 jours après s'être envolé du jardin de ses grands-parents auvernais, le 8 juillet 2023. Mort d'inquiétude, les membres de sa famille se sont tous retrouvés sur place. Le temps passe et la famille est toujours sans nouvelles. L'histoire du petit Émile S. a déjà fait le tour du pays, mais l'enfant n'a pas été retrouvé. 5 jours après avoir quitté le jardin de ses grands-parents, l'enfant que la police décrit comme débrouillard est toujours porté disparu. Alors que l'enquête est en cours, et que des recherches intensives sont menées un peu partout autour du Vernet, en Alpes de Haute-Provence, BFM TV s'est rendu au village de la Bouilladis, dont le garçon est originaire, pour interroger les proches de la famille. Le jeudi 13 juillet 2023, une amie des grands-parents du petit Émile, 2 ans et demi, a accepté d'apporter son témoignage sur BFM TV. Ce sont des gens très très bien, a-t-elle expliqué sans aucune hésitation. Une famille heureuse, sans soucis, sans problème, très très aimante et très croyante. Si est-il une famille très très unie, il n'y a pas de soucis. Sans histoire. Aucune histoire à ma connaissance, mais je pense à la connaissance de tout le village. Ce sont des gens formidables, une famille unie. Non, ce n'est pas possible. Le petit Émile a disparu le samedi 8 juillet 2023, après avoir participé à une réunion de famille, en présence de ses cousines, ses cousins et ses tantes. Ses parents étaient repartis quand il s'est évaporé. Les pistes soulevées, dont une trace de sang suspecte dans un véhicule, n'ont jusqu'à présent rien donné. Les minutes sont longues pour ses parents, et pour tous les membres de la famille, qui semblent se serrer les coudes dans l'épreuve. Tout le monde est rassemblé dans cette maison, précise-t-on sur BFM TV. Hier, ils ont fait une soirée de prière dans la petite chapelle du Haut-Vernet avec tous les membres ressoudés de la famille. Un témoin, un riverain que nous avons pu interroger, raconte que tout le monde semblait soudé dans la religion et que le grand-père s'est effondré en larmes à l'issue de cet office, parce que c'y est évidemment une épreuve très difficile. D'après nos informations, ils ont choisi de tous rester ensemble et de passer le week-end ensemble.